dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es majestueux. Seigneur, entends l'adoration de ton peuple. Entends la voix de ton peuple cet après-midi. Entends-nous, Seigneur, entends nos cœurs, tels que nous déversons à tes pieds, tels que nous sommes. Seigneur, nous sommes là à tes pieds pour écouter ta parole. Nous sommes là pour écouter de toi. Nous savons que toi seul, lorsque tu te lèves, l'ennemi se disperse. Lorsque tu te lèves, nous sommes rayonnants de joie. Lorsque tu te lèves, c'est pour transformer. Lorsque tu te lèves, c'est pour rétablir. Lorsque tu te lèves, c'est pour réaliser. Lorsque tu te lèves, c'est pour accomplir. Seigneur, j'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en toi. Je sais que tu demeures le même. Tu es puissant, oh Jésus. Alléluia. Il y a un chant que je pense que vous connaissez qui veut dire « Qui me séparera de l'amour de Jésus ?» C'est un chant de louange. C'est vrai que le rythme change, mais j'aimerais simplement t'encourager par ce chant. Que rien ne te sépare de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni un homme, ni une femme, ni une situation, ni un travail. Et nous allons le chanter ensemble. Hey! On danse un peu pour le Seigneur. Alléluia! Qui me séparera de l'amour de Jésus? C'est simple. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Nini kokambolanga na yo papa. Alléluia. Nini kokambolanga na yo Yahweh. Chantant en français. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Personne. Oui, qui me séparera de l'amour de Yahweh? Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus? Oh, ni l'argent Yahweh, ni les problèmes, non, non. Oui, ni les anges, alléluia. Ni la mort, alléluia. Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui peut te séparer de l'amour de Jésus? Qui me séparera de l'amour de Yahweh? L'amour de Jésus. Oh, ni kokambolanga na yo, papa. Yahweh, alléluia, libre la terre, Yahweh, oh sungite, Yahweh, oh mosolote, Yahweh, libre la terre, Yahweh, hey, my God is good, oh, hey, 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 mon Dieu est si bon. Hey.
boulot d'un boulot. Your business d'un boulot d'un boulot. Your church with d'un boulot d'un boulot. Anointing d'un boulot d'un boulot. Your favor d'un boulot d'un boulot. Mon Dieu est si bon. Je ne t'entends pas, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclamer, 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 acclamer. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la tribulation. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ah, dis à ton ami, c'est l'avant-goût du ciel. Ah, non, il t'a pas entendu, c'est l'avant-goût du ciel. Oh, gloire à Dieu, nous sommes debout. Que le Seigneur vous bénisse, notre sœur, avec toute l'équipe. Alors, nous voulons sans plus tarder écouter la parole de Dieu. L'homme que je vais appeler, c'est un des doyens dans la foi. Amen. Pour nous, comme un père aussi, que nous voulons vraiment honorer. Comme je l'ai dit hier, normalement, il était prévu qu'il puisse introduire ce programme aussi, mais suite à un problème de logistique, ils sont arrivés un peu en retard. Et étant donné que le programme était déjà établi, alors il va également conclure ce programme. Amen. Amen, amen. Le pasteur Patrick Fertignac, c'est le pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu d'Altrich en Alsace. Comment? Altrich. Altrich, ok. C'est un nom un peu... Bon, voilà. Comprenez le côté... C'est près de Mulhouse, il est missionnaire et marié à maman Josiane et père de 3 enfants. Et il est dans le ministère depuis plus de 50 ans. Alors nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, mon frère. Merci, merci. Alléluia. Et on peut nous dire que les gens, eh bien, chrétiens sont malheureux, hein? Où est-ce que vous avez vu ça, vous? Alors, je crois que cet après-midi, c'est vrai, c'est le bouquet final. Amen. Et Dieu a préparé pour chacun d'entre vous quelque chose de glorieux, de merveilleux. Pourquoi?
parce qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Les démons vont fuir. Les chaînes vont tomber. Les portes des prisons vont s'ouvrir. Il y a le message de l'évangile qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Pour le salut de quiconque croit. Oui, la reposition. Repositionne-toi. Et je crois que cet après-midi, eh bien, il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin de prendre position, qui ont besoin de prendre un nouveau départ. Pourquoi ? Parce que Dieu a prévu pour toi de grandes choses. Alléluia. Peut-être cet après-midi, tu te dis, mais je suis né, pasteur, sous une mauvaise étoile. Et depuis ce jour, eh bien, c'est tracas, difficultés, et je ne peux m'en sortir. Mais si cet après-midi tu es là, ce n'est pas le fait du hasard. Si tu es venu par un ami, remercie-le. Pourquoi ? Parce que cet ami a prié pour toi. Et ce qu'il désire, eh bien, c'est que toi aussi tu connaisses la joie du salut. Alléluia ! Que tu sois sauvé et que tu puisses dire oui en sortant de cette salle. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a le dépôt dans ses mains. Alléluia ! Il est le victorieux. Amen. Il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Il est celui qui cet après-midi est là. Parce que Jésus a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors Seigneur, cet après-midi, par ton esprit, touche-moi. Alléluia. Je vous invite à courber vos fronts dans la prière. Et nous allons, eh bien, demander à celui qui est déjà au milieu de nous bénir. Il l'a déjà fait hier, avant-hier, et c'est vrai. Je m'excuse auprès de mon frère Douglas. On devait être là, mais c'est vrai que les intempéries n'ont pas permis. En quittant Strasbourg, le soleil, et sur l'autoroute, la neige, de plus en plus, et on roulait à 10 km à l'heure. Mais Dieu a pourvu, alléluia. Pourquoi ? Parce que le Dieu de la Bible est celui qui pourvoit, amen. Il ne veut pas que tu vives dans la disette. Il est celui qui est le Dieu de l'abondance. Alors Seigneur, merci pour ces trois journées, pour ta parole qui a été prêchée avec puissance, alléluia. Pour l'action de ton esprit dans la vie de mes bien-aimés. De ceux et de celles qui t'ont reçu comme sauveur, comme Seigneur et comme Maître. Et Seigneur, c'est ainsi dans cette salle. Il y a encore quelqu'un qui ne te connaît point. Merci parce que tu as frappé à sa porte, afin que lui aussi connaisse le bonheur qui est en ta personne. Ô Saint-Esprit, agis, que je m'efface, mais que toi tu paraisses, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit manifesté, que Jésus soit honoré. Et nous te bénissons déjà de ce que tu accompliras, Père, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Alléluia. C'est vrai que je suis entouré d'une brochette de serviteurs de Dieu et je suis comme à la maison, hein. C'est vrai, malgré votre couleur, mais vous savez que sur un piano, il y a des touches noires et des touches blanches, hein. Et c'est ça qui fait quoi ? L'harmonie. Oui ou non ? Alléluia. Et si le monde, eh bien, ne nous connaît pas, le Seigneur, lui, nous connaît, mais aussi le diable nous connaît. Et il veut, et il te craint. Alors, cet après-midi, mon frère, ma sœur, mon ami, eh bien, reprends position. Ne baisse pas les chines, parce que celui qui est vivant, il est au milieu de nous. Alléluia. Repositionne-toi. C'est vrai que durant ces soirées, parler de la position, du repositionnement. Mais ce qu'il faut, eh bien, c'est y rester et continuer. C'est vrai que la plupart ont pris une bonne décision, un bon départ. Mais ce que Dieu désire par Jésus-Christ, c'est que vous continuez. Pourquoi ?
parce que Dieu vous a donné son message. Message de salut, alléluia. Message de délivrance. Message de bénédiction. Le monde se perd. Mais Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es. C'est une affirmation. Jésus ne dit pas « vous serez » ou « peut-être », mais « vous êtes ». Quel Seigneur extraordinaire! Quel Sauveur merveilleux! Alléluia! Oui, c'est vrai que l'ennemi, eh bien, essaiera de toute manière de nous influencer. De nous dire « eh bien, c'est beau, c'est bien, c'est glorieux, c'est merveilleux, mais regarde où tu en es. Regarde ta vie. » Mais cet après-midi, mon ami, ne regarde pas à toi, mais regarde à celui qui un jour sur le bois du calvaire s'est écrié « Tout est accompli !» Tout est accompli. Mais regarde aussi à celui qui est sorti du tombeau, parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'Évangile, puissance de Dieu, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte des fées, mais c'est une réalité. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Ma parole, et cette parole, elle veut entrer au plus profond de ton âme, afin qu'elle puisse travailler tout ton esprit, jointure et moelle, afin que tu sois comme il le désire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le miracle de Dieu. L'homme essaye de se transformer. Et comme eh bien, le révérend disait, n'est-ce pas, vendredi, c'est vrai qu'on essaye par tous les moyens d'apporter de l'amélioration. Mais l'apôtre Paul s'est écrié, « Voici, toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. » Toutes choses deviennent nouvelles. La vie avec Jésus est quelque chose de glorieux. Et je voudrais bien que vous puissiez repartir. C'est vrai qu'avec les prédications que vous avez entendues, et ce soir, eh bien, connaître votre position en Christ. Connaître votre position en Christ. C'est vrai qu'on s'est fait du bien. C'est vrai que nous étions entourés entre frères, sœurs, amis. Merci pour le groupe de chant. Merci pour la chorale où l'onction de Dieu reposait, où le Saint-Esprit agissait. Mais dans quelques temps, nous allons reprendre, n'est-ce pas, eh bien, nos activités. Nous allons reprendre, eh bien, nos travaux. Et là, eh bien, nous serons peut-être la cible de l'ennemi. Mais le Seigneur est celui qui veut t'équiper, alléluia. Il ne veut pas que tu repartes les bras vides, mais il veut que tu repartes armé de sa puissance, amen. La position que Christ me donne est une position éternelle, une position stable, alléluia. Vous êtes assis sur des belles chaises, hein? C'est vrai. Imaginez que votre frère, le révérend Douglas, eh bien, aurait apporté des estrapontins avec trois pieds. On serait un peu, n'est-ce pas, en train de jouer l'équilibriste. Hein? Mais nous voyons quoi? C'est que eh bien, nous sommes bien assis. Et de même, Dieu en Jésus nous a donné cette autorité, cette assise totale. Pourquoi? Parce que nous avons un ministère. Nous avons et vous avez une vocation. Et cela, n'est-ce pas, n'est pas pour un temps court, mais pour le temps que Dieu vous donne sur cette planète Terre. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Alléluia! Vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de la transformation que le Christ a fait en moi. Témoin de ce qu'il donne jour après jour. Il est celui qui
pourvoir, alléluia. Vous l'avez entendu, vous l'avez reçu et je crois que ce soir, eh bien, Seigneur, imprime par ton esprit ces choses dans mon cœur. Oui, l'ennemi rugit. Jésus, eh bien, n'est pas celui qui est un faiseur de miracles, non. Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Il est celui, n'est-ce pas, qui, au travers de sa parole, nous met, n'est-ce pas, en garde. Sa parole est esprit et vie. Lui-même a dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle, demeurera. Nous voyons quoi ? L'autorité de la parole de Dieu, la suprématie de la parole de Dieu. Certes, aujourd'hui, on discute sur la parole de Dieu, mais Jésus a dit lui-même que pas un iota ne partira sans sa volonté. La parole est esprit et vie. Et ce soir, eh bien, oui, le premier point, maintenant, par le Christ, Dieu vous a rendu juste. C'est dans le deuxième épître aux Corinthiens. Je pense que vous allez le voir sur l'écran, au chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous montre, n'est-ce pas, que... Ah, excusez-moi, je perds... Il n'est pas là. Il n'y en a pas. Bon, ça ne fait rien, je vais vous le lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous dit ceci. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Jésus lui-même pourra dire, eh bien, qui me convaincra de péché ? Qui ? Personne. Et quand vous lisez les évangiles, Pilate lui-même a reconnu qu'en Jésus, il n'y avait rien qui pouvait le mener, n'est-ce pas, à la crucifixion. Pilate dira, je ne trouve rien. Mais bien sûr, l'évangile nous parle que c'était par envie. Et dans la préscience de Dieu, Jésus devait passer par ce chemin. Afin, n'est-ce pas, eh bien, qu'aujourd'hui, nous ayons le salut, et un salut total et parfait. Il a été fait péché. Il est mort à la croix du calvaire pour chacun de nos péchés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde occidental, on dit il y a le grand péché, le petit péché. Mais la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun pécheur n'entrera dans la gloire de Dieu. Mais une chose est glorieuse, c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous confessons nos péchés. Voilà, mes amis, mes frères et mes sœurs, la bénédiction que Dieu veut te donner. Pourquoi ? Parce que, eh bien, en lui, il y a la justice, alléluia. Il te rend juste. Le diable est là pour t'accuser. Le diable est là pour, eh bien, te déformer. Le diable est là pour te mettre par terre. Mais il y a une chose, c'est que celui qui a été cloué entre ciel et terre, celui qui est le ressuscité, celui qui est à la droite de Dieu, celui qui est sur son trône comme nous l'avons entendu, celui, il vit, alléluia, et il est au milieu de nous, amen. Il est au milieu de nous, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus a dit, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin des temps. Non pas seulement après la réunion, hein, mais jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ? Comme l'on a entendu, vous vivrez éternellement. Ah oui ? Vous vivrez éternellement. Soit dans la gloire, soit eh bien, dans les tourments éternels. Dieu a placé un écran entre lui et vous. C'est le sang de Jésus.
le sang de Jésus. Le diable craint le sang. Le diable craint le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. » Jean-Baptiste aurait pu dire « Voici le prince, voici le roi, voici le maître, voici l'agneau de Dieu. » L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été crucifié, dont son sang a coulé sur le bois du calvaire, dans la terre, eh bien, s'est abreuvé. Son sang est encore tout puissant pour te laver complètement, corps, âme et esprit, alléluia. Et tes pensées, comme tu l'avais entendu, eh bien, amenant toute pensée captive à Jésus-Christ. Seigneur, mes pensées, eh bien, je te les remets et je veux avoir ta pensée. Je veux avoir la pensée qui est dans le ciel, dans la gloire. La pensée de Dieu. Pourquoi ? Parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es une créature merveilleuse. Alléluia ! Dans la Bible, il n'y a pas de clonage. Mais nous sommes individuels. Amen ! Et Dieu nous aime dans cette individualité. Et ce qu'il veut, c'est un peuple qui le loue. Alléluia ! Béni soit le Seigneur. De ce que sur le bois du calvaire, il a dit « Personne ne prend ma vie, mais je la donne. Personne ne prend ma vie, mais je la donne. » Et là, sur la croix du calvaire, entre ciel et terre, les foudres de l'enfer se sont liguées contre lui. Certes, il y avait les accusateurs. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Mes amis, croyez-vous que ce sont seulement que les clous qui l'ont tenu, attaché, cloué à la croix du calvaire. Non, c'est son amour pour toi. C'est son amour pour toi. Jésus aurait pu descendre de la croix, mais parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Il a reçu les moqueries, les colibés, tout ce que nous pouvons penser, concevoir. Lui, le Fils de Dieu, l'amourait, donnait sa vie en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le sacrifice a été accompli. Alléluia ! Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Dites-le cela. Confessez la victoire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que j'appartiens à Jésus. Amen. J'appartiens à Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une philosophie. Jésus n'est pas une idée, quelle qu'elle soit. Non. Jésus est une personne vivante. Amen. Jésus est là cet après-midi. Amen. Et il passe au milieu des rangs par le Saint-Esprit. Oui, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te bénir. Alors, merci Seigneur, Dieu me voit juste, pardonné. Dieu me voit juste, pardonné de tout péché. Il y a un cantique que nous aimons chanter, « Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. » Quand Dieu me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, le passé, mais il voit Jésus, l'image de Jésus. Alléluia. Mes amis, le miracle de la conversion est quelque chose de glorieux, de merveilleux. Le diable vouait, le diable est, le diable ne peut faire cela, mais Jésus l'a fait parce qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu t'aime, Dieu t'aime.
Alors cet après-midi, que cette parole résonne dans ton cœur par le Saint-Esprit. Merci, ô Dieu, de ce que tu m'aimes, de ce que cet après-midi, dans cette salle, tu es là pour prendre en main ma vie, ma direction. Et je te bénis, parce que déjà 20 siècles auparavant, tu as payé ma dette, alléluia. Tu as payé pour moi. Et cet après-midi, eh bien, je veux me relever. Je veux repartir sur des bases nouvelles. Oui, je suis le chemin, dira Jésus, la vérité et la vie. Nous appelons cela la grâce infinie. Croyez-vous que Dieu est avare de ses bénédictions? Est-ce que vous croyez qu'un papa, devant son fils, eh bien, lui dira « Non, 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 pas cela, rien du tout. » Contraire, un père ou une mère aime sa progéniture. Et Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'a tellement aimé, qu'il a donné ce dont il avait de plus cher, son fils bien-aimé, alléluia. Son fils a quitté le ciel de gloire pour faire la volonté de son Père jusqu'à la croix. Et c'est pour cette raison qu'à la croix du calvaire, toutes les puissances sataniques, diaboliques, ont été, n'est-ce pas, anéanties. Alléluia! Et cet après-midi, mon frère, ma sœur, mon ami, qui que tu sois, Dieu désire que tu repartes avec la plénitude du Saint-Esprit, renouvelé vers de nouvelles victoires, vers des nouveaux combats, mais les combats de la foi. Alléluia! Et par la foi, eh bien, nous héritons les promesses, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Nous croyons en celui qui est ressuscité. Dieu tient compte de notre foi. Dieu tient compte de notre foi. Amen. Oui. Dieu ne nous a pas créés muets. Hein? Et c'est vrai que quand ces groupes de chants chantaient, la présence du Saint-Esprit était là. Je sentais l'action de Dieu. La présence de Dieu, alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai que le chrétien n'est pas un chrétien triste, mais c'est un chrétien heureux. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a gagné plus qu'au loto, parce qu'il a gagné plus au tiercé. Il a une place dans le ciel. Alléluia. Jésus a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen. Dieu veut que tu y sois aussi, mon ami. Alors cet après-midi, la porte du ciel t'est ouverte. Pourquoi? Parce que tu es en vie aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne raisonne pas. Dans l'évangile de Matthieu, il y avait l'exemple de ces deux aveugles. Ils étaient, n'est-ce pas, à la sortie de Jéricho. Jéricho était une ville luxuriante. Jéricho était une ville où il y avait de nombreux passages. Une ville commerçante, comme à Paris, Villeneuve-le-Roi. Et ces deux aveugles étaient là, assis. La Bible dit qu'ils étaient assis sur le bord du chemin. Oh, ils pouvaient se dire l'un à l'autre, je connais celui qui va rentrer dans la ville à sa démarche. Je connais celle qui va donner quelque chose par la piécette qui va tomber dans l'escuelle. Ils étaient là, ces deux aveugles. Mais Jésus, n'est-ce pas, est passé. Jésus est passé. Et je crois que quand Jésus passe, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. Quand Jésus passe, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Parce qu'il est le maître, il est le Seigneur, il est le roi. Il est celui qui a tout pouvoir sur la terre, sous la terre, dans les cieux, partout. Et l'enfer lui est, n'est-ce pas, soumise. Alléluia. Oui, ils ont entendu, c'est Jésus qui passe.
Et je peux m'imaginer que quand Jésus, n'est-ce pas, passait dans les villages, il y avait la foule. Il y avait les gens, n'est-ce pas, qui criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Les enfants qui couraient de droite, de gauche. Ce fut un cortège de joie, un cortège d'allégresse. Et ces deux mendiants-là, assis au bord du chemin, se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il arrive? C'est quelqu'un, c'est un événement extraordinaire. Est-ce un nouveau roi qui arrive ?» Non ! C'est Jésus de Nazareth ! C'est Jésus de Nazareth. Jésus a passé à Jéricho. Et cet après-midi, amis, Jésus passe au milieu des rangs. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. La foule respectueuse était là pour les faire taire. C'est vrai que souvent on se dit, mais monsieur, je suis respectueux. Le diable nous dit, ne va pas trop loin. Hein. Ne sois pas trop spirituel. Laisse, ça va comme cela. Les pensées, n'est-ce pas, travaillent. Et c'est vrai que souvent nous les écoutons. Corrie ten Boom pourrait dire ceci. On ne peut empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de notre tête, mais on peut empêcher les oiseaux de faire leur nid. Ouais. On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner. Les pensées, tant que nous serons, eh bien, dans ce corps, nous aurons des pensées. C'est vrai. Toutes pensées. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir les amener à ses pieds. Certains, n'est-ce pas, me disent, lors des rencontres, « Pasteur, ce fut trop fort pour moi. Ce fut trop fort pour moi. J'étais comme poussé à faire tel et tel geste. Trop fort. » La pensée, n'est-ce pas, a véhiculé dans cette personne une haine. Les affres de la mort, etc. La pensée. Mais ce soir, Seigneur, toute pensée, je veux te les amener et avoir ta pensée. La pensée de Dieu qui élève, la pensée de Dieu qui glorifie, la pensée de Dieu qui magnifie son œuvre extraordinaire, cette pensée. Et Jésus, eh bien, va leur dire, laissez-les. Et ces deux aveugles, eh bien, tant bien que mal, sont arrivés vers Jésus. On peut m'imaginer que la foule s'est écartée en laissant passer, n'est-ce pas, ces deux pauvres aveugles. Prends courage, allez-y. Ils vont se trouver devant Jésus. Ces hommes n'ont jamais vu le ciel. Vous pouvez leur dire, mais le ciel est bleu. Je ne connais pas la couleur. Vous pouvez dire, mais la rose, une fleur, elle est rose. Pour eux, excusez-moi l'expression, c'est du charabia. Ils sont là devant ce personnage. Ils n'ont pas craint. Ils n'ont pas douté que devant celui qui se trouve est Jésus. Est Jésus. Ils auraient pu dire, mais attends, hé, copain, où est-ce qu'on va? On ne voit pas. Mais ils sont arrivés devant le personnage, quelle est la personne de Jésus. Ils sont là. Et Jésus leur demande, que désirez-vous? Que veux-tu? Que désires-toi cet après-midi, ami? Quel est ton problème? Dans quelle situation veux-tu que j'agisse? Dis-le-le moi, ne me cache rien. Bien que Jésus savait que ces hommes étaient aveugles, mais nous voyons quoi? C'est que le Christ demande toujours à la personne qui s'approche, que veux-tu? Parce que Dieu nous laisse libres.
Dieu nous laisse libres. L'évangile, ce n'est pas un évangile des tricks, de liens, mais de liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia! La liberté des enfants de Dieu. Cette liberté, cette puissance qui va s'émaner de ta vie. Parce que tu es une créature extraordinaire, merveilleuse, que Dieu a créée de toute éternité. Dieu te connaissait avant que tu y sois. Alléluia! Quel Seigneur glorieux, merveilleux, nous possédons. Les hommes scientifiques essayent d'explorer les nues pour essayer de trouver Dieu. Vous savez que le premier homme qui a exploré les sphères célestes, c'était Gagarine, un des premiers. Et Gagarine a été aussi loin, et quand il est revenu sur la Terre, il a dit devant le mausolée, « J'ai été aussi loin, je n'ai jamais rencontré Dieu. » Mais quelques années plus tard, sur son lit de mort, il criait à ce Dieu qui vient le sauver. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chaque cœur. Dieu a mis la pensée de l'éternité. C'est vrai que M. Gagarine s'est enorgueilli qu'il était, n'est-ce pas, cet homme qui a exploré le premier, l'un des premiers. Mais lui, le Seigneur a quitté son ciel de gloire pour venir te chercher là où tu étais. Là où tu es, peut-être assis sur le bord du chemin, dans la désolation, dans cette attitude de désespoir. Mais Jésus est là. Et cet après-midi, il y a plus que Jéricho. Il y a le tabernacle de Dieu, alléluia. Il y a la présence de Dieu. C'est la maison de Dieu, amen. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, alléluia. C'est la maison de Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour cette raison, amis, quand vous sortirez, annoncez à votre entourage ce que Dieu a fait dans votre vie. Témoignez et amenez-les à la personne de Jésus-Christ, non pas à une religion, non pas à une philosophie, mais à la personne de Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit, mais aussi qui revient, alléluia. Jésus revient bientôt, amen. Et ce qu'il désire, c'est qu'encore le plus grand nombre soit sauvé. Tu es appelé à être un témoin. Alors Jésus leur dira, allez faire des kilomètres, allez faire un pèlerinage, récitez-moi, n'est-ce pas, des neuvaines, etc., etc. Non, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, alléluia. Ma foi est vivante en celui qui tient le monde dans ses mains. La Bible me dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Amen. Il connaît les jours à suivre. À lui, rien n'est caché. Mais cet après-midi, il s'approche de toi. Il ne veut pas te forcer. Il ne veut pas t'influencer. Mais il t'appelle parce qu'il t'aime. Parce qu'il a prévu pour toi quelque chose de glorieux, de merveilleux. Oui. Nous croyons en celui qui est ressuscité, alléluia. La position en Christ est quelque chose de glorieux. Christ est ressuscité. Les liens de la mort n'ont pu le retenir. Le tombeau avec la grosse pierre, et même les soldats aussi valeureux soient-ils, n'ont pu retenir le prince de la vie, alléluia. Parce que Jésus est le prince de la vie, amen. Il est le prince de la vie, amen. Et la mort n'a pu le retenir. La mort n'a pu le retenir. Et l'apôtre Paul s'écrira aux morts, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Oui, la mort a été vaincue. Et je sais qu'un jour,
mes yeux verront Jésus, alléluia. Et non pas seulement les miens, mais aussi de tous ceux et de toutes celles qui ont fait la paix avec Dieu, avec tous ceux et toutes celles qui se sont réconciliés, avec tous ceux et toutes celles, eh bien, qui l'ont accepté comme Seigneur, comme Sauveur et comme Maître. Mes péchés ont été cloués. Une nouvelle créature. Pourquoi Jésus a posé cette question à ce docteur de la loi Nicodème ? C'est vrai que Nicodème se posait de nombreuses questions. Et il est venu de nuit. Qu'importe le moment où il est venu, mais il est venu. Il est venu. Et il dit, mais comment se fait-il ? Moi, docteur de la loi, ayant fait les grandes études, etc., etc., je ne saisis pas, je ne comprends pas. Comment se fait-il ? Et Jésus lui dira, il faut que tu naisses de nouveau. C'est impératif. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il y a la naissance physique, mais il y a aussi la naissance spirituelle. Alléluia. Et c'est cela. Et Dieu, cet après-midi, par le sang de Jésus, veut inscrire ton nom dans ce livre de vie où la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, des livres furent ouverts. Mon ami, cet après-midi, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie ? Tu as peut-être carte d'identité, passeport pour aller d'un pays à un autre, mais là où Jésus est, il faut avoir son passeport, il faut avoir son identité. Oui, je suis venu, dira Jésus, afin que mes brebis aient la vie. Le repositionnement. Quelque chose de glorieux, de merveilleux. Seigneur, merci parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais que tu es celui qui garde mon dépôt. Je sais en qui j'ai cru, dira l'apôtre Paul. Cette affirmation, n'est-ce pas, fait trembler les fondements de l'enfer. Parce que le diable craint le Fils de Dieu. Parce que la Bible me dit, n'est-ce pas, que sur la croix du calvaire, Christ a livré publiquement en spectacle toutes les puissances infernales de l'enfer. Le diable a été vaincu, alléluia. Et cet après-midi, par le Saint-Esprit, Dieu veut te donner sa force de pouvoir marcher sur les scorpions. Il te donne son autorité de pouvoir avancer. Assis avec Christ dans les lieux célestes, alléluia. Et comme nous l'avons entendu ce matin, c'est vrai, tu es derrière, mais tu es aussi devant le rideau. Il y a cette liaison. Je suis dans le monde, dira Jésus, mais je ne suis pas du monde. Merci ma sœur, elle suit la prédication, ça c'est formidable. Vous savez que c'est la fête des grands-mères aujourd'hui, hein ? Alors que Dieu bénisse toutes les grands-mères. Et sœurs, soyez. Soyez pour les jeunes couples, pour les jeunes dames, des modèles, un témoignage vivant, des femmes de prière. Soyez, c'est mon désir. Et pour le pasteur Douglas, Dieu m'a donné cette révélation, mon frère, sois humble. Et le Seigneur fera avec toi de grandes choses. Parce que c'est lui qui construit. Et tu n'es qu'un matériel, tu n'es qu'un instrument. Oui, qu'il te soit fait selon ta foi. L'exemple de Gédéon est merveilleux, mais extraordinaire. La Bible nous dit que Gédéon battait du froment au pressoir. Il y a quand même, n'est-ce pas, quelque chose qui ne tourne pas rond là, hein ? Battre du froment au pressoir. Le pressoir, c'est pour quoi faire ? C'est pour écraser le raisin. Hein ? Et lui battait le froment.
parce que les Magnanites faisaient des ravages. Mais je peux m'imaginer que ce jeune homme, qui était le plus petit de la famille, quand il battait le froment, n'est-ce pas, eh bien, pouvait dire, « Oh, ces Magnanites ne l'auront pas. Ces Magnanites n'auront pas la nourriture pour mes parents. C'est pour moi et c'est pour eux. Et eux, c'est terminé. » Mais Dieu a vu son cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu a vu son cœur. C'est vrai qu'on peut se moquer de toi. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais quand Dieu met quelque chose dans le cœur de son enfant, c'est une flamme qui embrasse, qui brûle, qui transforme, qui brise. Alléluia! Et l'ange qui était là, qui le regardait, vous savez que Dieu est là et nous voit. Ouais. Que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez à l'atelier, que vous soyez, n'est-ce pas, à vos occupations, Dieu est là. Ouais. Et il regarde, l'ange regarde. Et c'est vrai que je me suis imaginé, souvent, eh bien, nous, on se gratte la tête, comment faire, comment pouvoir répondre à celui-ci ou à celle-là. Et l'ange, qu'est-ce qu'il va lui dire? Je vais te donner ma stratégie. Je vais te donner, eh bien, la clé du succès. Je vais te montrer comment faire, non? Vaillant héros. Waouh! Vaillant héros! Mais Seigneur, qu'est-ce que je suis, moi? Je suis le plus petit de la famille. Vaillant héros. Le diable veut te dire, tu es un zéro. Mais Jésus te dit, tu es un vaillant héros. Parce que c'est moi qui t'a appelé. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu t'a choisi. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est t'équiper. Alléluia. Amen. Afin que tu ailles et que tu progresses et que des bénédictions en découlent de ta vie. Vaillant héros, va avec cette force que tu as. Et nous voyons eh bien que ce jeune homme est parti sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas au gré des circonstances de ce monde, de ce que nos hommes politiques ou autres disent. Dieu est Dieu. Alléluia. Parce que si Dieu variait, nous serions les plus malheureux des hommes. Mais il est le même. Alléluia. Et ce qu'il a fait il y a 20 siècles, il veut le faire encore ce soir. Amen. Parce qu'il n'a pas changé. Oui, demeure dans sa parole. Demeure fidèle, attaché à lui. Et que jour après jour, par l'action du Saint-Esprit, cet esprit de vie, cet esprit de puissance, cet esprit de révélation, cet esprit qui t'amènera dans le plan que Dieu a tracé pour toi, tu seras même étonné, parce que si même tu es une faible plante, dans une faible plante, il y a la sève qui coule et qui apporte la vie. Alors ce soir, la faiblesse humaine, les pensées de négation, les pensées qui viennent eh bien, me tirailler, Seigneur, je te les place à ta croix, parce que de la croix, la grâce coule. Alléluia. De la croix, la grâce coule. Alors cet après-midi, ces hommes, n'est-ce pas, ont vu Jésus. Voir Jésus dans sa beauté. Voir Jésus dans son éclat. Voir Jésus. Et je peux m'imaginer que le visage de Jésus rayonnait la joie, la paix, la sérénité. C'est vrai que Ésaïe, 800 ans plus tard avant, va prophétiser, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos condamnations qu'il s'est chargé. Il a été frappé, humilié par Dieu.
Mais il est sorti victorieux, alléluia. Et l'évangile est cette bonne nouvelle à ce 21e siècle pour chacun d'entre nous. Oui, la promesse de Dieu, la position que Dieu te donne ce soir. Où en es-tu dans ta marche avec le Christ? Où en es-tu? Es-tu sur une situation instable? Où es-tu, n'est-ce pas, sur cette position que Jésus te donne? Il donne, il ne troque pas. Il a dit, je donne ma vie. Demandez et vous recevrez. Pendant que les têtes vont se baisser, je demanderai au groupe de chant de venir chanter Jéhovah. Et pendant ce chant, l'appel se fera au travers de ce chant. Je vous demanderai de vous lever, de vous approcher. Et en se levant, eh bien, c'est un pas de position, un pas de décision, un pas de dire, Seigneur, oui, merci, parce que tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shammah, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui m'aime. Tu es celui qui a envoyé ton Fils. Merci, parce que ce soir, je veux répondre à ton appel et je veux que tu me prennes dans tes bras d'amour. Je veux que tu me saisisses et que tu me prennes comme enfant, comme brebis. Alléluia. Alléluia. Pendant le chant de ce cantique, eh bien, je vous invite à vous lever, à vous approcher simplement par la foi. Amen, 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 amen. Jésus est là. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Amen, Seigneur. Jéhovah est Amen, Jéhovah amen. Est son nom. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Oh, amen, amen. Jéhovah pendant ce chant, approchez-vous. Simplement, Jésus est là. Et Jésus veut vous te bénir. Amen. Jésus Jéhovah veut te toucher. Son nom. Amen. Jéhovah ceux qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu, c'est le moment nom. Maintenant. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son Amen. Nom. El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. Prenez position ce soir pour Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Emmanuel est son nom. Merci Emmanuel. Dieu avec Emmanuel. Moi. Merci pour ton Emmanuel sang qui a coulé à la croix du calvaire. Merci parce que aujourd'hui je peux repartir en nouveauté de vie. Merci pour ton action, Seigneur. Amen. Amen. Dans les combats, son nom. Nous disons puissant guerrier.